redémarre à zéro. C'est le niveau le plus facile. Hein. Les parties que j'ai fait avant, j'avais jamais perdu à ce niveau-là. Bon. Donc c'est un clone de Frogger hein. avec un scrolling vertical que ce soit horizontal. On a 8 grenouilles au départ. Le jeu est assez facile, hein. Franchement. C'est très facile de le finir en fait, d'amener les 8 grenouilles. Il y a 3 étapes, mais franchement c'est très facile. Hein. C'est plus pour les enfants de 8 à 15 ans. La deuxième étape, là, faut amener à droite et en fait les insectes ça fait grossir et les araignées font diminuer en taille. Donc là il suffit d'aller là. Hein. Hop. Il suffit d'aller à droite. Hein. Il faut juste éviter les... Zut. Il faut juste éviter les marées noires. Zut, bah, il suffit que... C'est assez... Il n'y a pas trop de danger sur ce niveau-là. Contrairement au niveau précédent. Mais bon, je me suis quand même fait avoir 2 fois, là. Ah bah zut. Donc en fait, on a des petites araignées puis des mouches, là. Bon, j'ai quand même en avoir 4 à la fin, là. Ah bah zut, non je vais noir que 3 à la fin, bon, attends, il m'en reste plus que 3. Bon je vais vous montrer ce qu'il faut faire là, c'est juste aller dans la zone noire là, c'est tout. Voilà, celui-là il est très facile. Alors je vais attendre un peu parce qu'il y a un train qui passe. Et par contre faut éviter de bouffer les trucs roses parce que ça fait grossir. Et quand on grossit 3 fois on éclate. Donc je vais vous montrer là, hop, je vais en prendre 1, 2. Si je mange les trucs roses je vais éclater. Voir si... Bon bref. Je vais vous montrer. Hop. Bon, je vais quand même aller jusqu'au bout là. Hop. Voir. 2 arrive à pied. Donc score 153. J'ai perdu 6 grenouilles. Et là j'ai tapé le 2 pour voir à quel niveau, quelle vitesse ça va. Ça va beaucoup plus vite. Hein. C'est beaucoup plus rapide, regardez. C'est vraiment très difficile au niveau dehors. Faut vraiment trouver un moyen, hop, le bon moment pour passer. Même les lacs là, bim, ça je me suis fait avoir.
Faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'espace entre les cars, les camions là, les cars. Comme là par exemple. Et au niveau de l'IA, qu'il faut vraiment être patient. Voilà. Faut moins se précipiter là parce que c'est plus difficile. Hein. Ah, il y a de l'espace, je vais passer. Et bing. Ah ouais, le niveau 2 il est plus difficile. Hein. Ah, bing. Il en reste combien? Il en reste plus lourd. Hein. Pas facile. Hein. J'ai essayé d'en sauver deux quand même. Ah, j'ai même pas sauvé. Bon. Bon, de toute façon, c'est un jeu qui est quand même assez simple. Hein, mais niveau 2, il est quand même rapide. Il faut être. Et bing! Bon, j'ai plus que 3 grenouilles. Hein. Oh là, et on. Ah là là, terrible. Je vais quand même en sauver deux, j'espère, parce que là, si j'en sauve pas deux, ça va être un peu bête. Voilà. Alors j'imagine que là, ça va être aussi beaucoup plus rapide. Ah oui, les cercles ils sont plus gros là. Faut être. Ah, vous avez remarqué que les ellipses elles sont beaucoup plus grosses. Hein. Ah, j'en ai sauvé une. Donc faut éviter d'être trop gros là quand on fait ce niveau là. Parce que sinon, donc faut éviter de manger trop d'insectes. Voilà, j'en ai sauvé deux. Et là, c'est quoi là, le danger? Donc il y aura un train qui doit s'amener normalement. Je vais attendre que le train s'amène. Voilà. Et on peut avancer quand il y a le train. Comment ça se fait que j'ai perdu là? Je comprends pas pourquoi j'ai perdu. Voilà. Un soir arrivé à pied. Voilà, c'était Jump for Survival. Pour Thompson et Motis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.